Qui dit-on que je suis? Qui est Jésus? Un homme exceptionnel? Un imposteur? Une invention? Un prophète? Ou bien le Fils de Dieu? En fonction de votre éducation, vous ferez telle ou telle réponse. Un musulman dira qu'il est un prophète. Un juif, qu'il est le Messie ou un imposteur. Un athée, qu'il est un homme exceptionnel ou une invention. Et un chrétien dira qu'il est le Fils de Dieu. On a beaucoup écrit sur Jésus. Les philosophes et les historiens ont formulé beaucoup d'hypothèses. Mais 2000 ans plus tard, humainement, le mystère demeure. Les quatre évangiles dans la Bible racontent l'histoire de Jésus. Comment il est né miraculeusement de la Vierge Marie. Comment il a grandi et enseigné dans toute la Judée et la Galilée, faisant beaucoup de miracles. Comment les chefs religieux jaloux l'ont fait crucifier. Et comment il a ressuscité des morts. Même si tous les historiens sérieux confirment son existence, humainement, le mystère demeure au sujet de qui il est réellement. Si nous voulons croire en lui, comment peut-on savoir qui il est réellement? Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 15, Jésus pose la même question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Les uns répondent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus se tourne alors vers ses apôtres et demande « Et vous, que dites-vous? » L'apôtre Pierre répond directement « Je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors Jésus lui dit « Tu es heureux, Simon-Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang, l'éducation, la famille, qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Vous pouvez être chrétien, même pratiquant, confesser que Jésus est le Fils de Dieu et n'avoir jamais eu cette révélation. Vous répétez que Jésus est le Fils de Dieu parce qu'on vous l'a toujours dit, mais vous n'avez pas de certitude. Vous êtes chrétien parce que vous avez été élevé dans la religion chrétienne. Si vous aviez eu des parents musulmans ou athées, etc., vous seriez musulman ou athée ou autre. Quand vous recevez de Dieu la révélation de qui est Jésus, vous pouvez alors déclarer avec la même assurance que l'apôtre Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Être chrétien, ce n'est pas essayer de faire de bonnes choses, d'y aller aux offices. Mais la vie chrétienne authentique commence avec une véritable rencontre avec le Christ, et tout le reste en découle. Votre vie change du tout au tout. Il y a un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Vous savez alors que vous avez fait la plus belle rencontre de votre vie. Vous comprenez pourquoi vous êtes sur cette terre. Vous avez l'assurance de la vie éternelle, et vous n'avez qu'une envie, vivre pour lui. Et annoncer au monde entier que Jésus est vivant et change nos vies. Qui que vous soyez, quelle que soit votre vie, Jésus vous aime et veut se révéler à vous. C'est lui qui a dit « Demandez et vous recevrez, frappez et on vous ouvrira. » L'Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 7. Veux-tu avoir la paix avec Dieu? Fais sincèrement et avec foi cette simple prière. Seigneur Jésus, je me repens et je veux changer de comportement. Je crois que tu m'aimes et que tu es mort sur la croix pour expier mes péchés. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es ressuscité et que tu es le Seigneur. Viens dans mon cœur. Je veux dès maintenant recommencer une vie nouvelle avec toi. Amen.
Pour croître dans le Seigneur, il serait bon que tu lises la Bible quotidiennement. Clique sur ce lien et que tu joignes une assemblée chrétienne évangélique de ta région.